Yop, mes potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis avec mon petit Massé. Bon, on va aller vendre juste le grain que j'ai fait pendant le off parce que j'ai semé. Non, j'ai semé, j'ai chômé. Enfin voilà, j'ai tout fait. Donc on est à 148. Quoi? 148 000. J'étais à 50 000. Voilà, donc les défis. L'ancienne vidéo sur cette série-là, c'était les défis. Voilà, les 5 défis que j'avais fait, donc c'était l'hashtag 8, donc là on est bien l'hashtag 9. Donc là, je voulais commencer à cocher les défis, sachant que j'ai 148 000 euros. On va pouvoir commencer à cocher peut-être un défi, je sais pas. En fait, voilà, donc je pensais acheter un tracteur aujourd'hui. Après, je sais pas si je vais acheter le Fast Track ou si je vais acheter le Valtra, mais je pense que je vais partir sur un petit Valtra, là, comme celui que j'avais en début de série. Donc dans le off, j'ai pas tout montré. Enfin voilà, dans l'accéléré, j'ai que la moisson. Bien sûr, entre ça, avant j'avais semé, j'avais déchaumé, j'avais fertilisé déjà aussi dans l'ancienne vidéo. Et donc du coup, j'ai fauché aussi, j'ai fait presser, là il restera à presser les bottes de paille. Et donc on va partir là-dessus. Mais ça me fait. Hey, je vais vendre le lait aussi, parce que le lait, je vais aller vendre. Et je vais vendre aussi la laine. Hop, au pire, on s'en fout. Ma ferme est mal rangée. Hein. Je ferai ça après, parce que j'ai pas envie de tout ranger. Hey, un plateau de 100 000 de laine là. Ah là, 8 cartons, je crois. Bon, est-ce qu'il m'en reste d'ailleurs? Non, il me reste 2% de laine. On va aller vendre ça. Alors, les prix. Oh, la laine. Mais bon, on va aller à la filature. On va se faire des toilettes en or. Hein, voilà. Là, j'ai déjà gagné. J'étais à 60 000, on va dire ça comme ça. Pratiquement 100 000 euros de gagné. Moi, je dis, ça va. Hein. Donc là, je vais à la filature. Je sais pas si. Non, je suis jamais allé avec vous à la filature. Du moins, pas encore. Enfin, je m'en souviens même pas. Ce sera là, la filature. C'est bien possible, mais je m'en souviens pas. Alors, donc, du coup, voilà. Donc, du coup, je pourrais acheter un tracteur. Je vais pas gagner 20 000 avec la laine, quand même. En vrai, ça serait stylé. Genre, tu gagnes. Ça serait cheaté aussi, mais. Combien je vais gagner? Là, je vais aller aux 200 000. Cinquante mille balles le plateau. Mais non. Mais non. 50 000 balles. Oh non. 50 000 balles. Oh, le plateau que ça a fait. Ah, voilà. La rentrée du fric. Ah, ça fait du bien. Ouais, mais pour tout redépenser. Et en vrai, il y a peut-être moyen que genre j'achète plutôt la batteuse. Pour couper déjà les 10 ans. Parce que je voulais acheter un tracteur, mais enfin voilà. Il faudra passer. Ah, c'est quand même 117 000 de plus. Hein. Ouais, ça va être chaud. En gros, je vous annonce officiellement que je n'ai plus besoin de faire de bottes de paille. Tout simplement, les cochons sont à 100% de fumier, dans la fumière. Et les vaches sont à 95%, mais il reste encore des bottes. Ah, j'ai quand même 10%. Et donc, ça signifie que je vais pouvoir m'acheter sûrement une chargeuse pour commencer à aller au BGA et me faire un peu de lisier. Voilà, voilà. On va aller vendre du lait. Parce que je pense que là, le lait, je vais faire à 100% aussi. Regardez. La fumière, comment elle était plus abusée. Allez. Oh! Quoi? Oh non!
Bon, on va les vendre quand même, mais je suis déçu. Je suis très déçu. Eh ben, les gars, on va à l'auberge. À l'auberge. Ah non, là, je suis déçu. Alors. Oh, il me manque pas grand-chose en plus. Il me manque 16 000. 16 000. 16%. Non. Bon, allez. Oh putain. Je vous annonce officiellement que j'arrête cette série. Non, pas du tout. Non. Non, je peux pas. Non. Non, mais c'était une blague. Ok. Je l'arrête pas, hein. Non. 246 000. Eh, 246 000. Y a pas un bon tracteur, genre. Attends, je vais regarder. Combien il coûte? 300 000. Ah non, c'est un peu cher. 246 000, t'as quoi? Ah, il coûtait plus cher, même. Attends, ouais, New Holland, quoi. Ouais, le T7 ou le CAZ ou le Stern. Le Stern est pas moins puissant. Non, le Stern est moins cher, c'est tout. Dans les moissonneuses. Eh ben, tu peux acheter encore une Rostel vache. Oh putain, le délire. Et en vrai. Non. Non, de suite, non. Non, en vrai, tu peux acheter ça, hein, voilà. Non, en vrai, t'as pas mal d'argent, là. Et combien ça coûte, je crois qu'elle coûte 226 000. Attends. 317, mais celle-là. 220. Oh, je peux l'acheter. Oh! Et je peux l'acheter, le Buffalo. Chez Ponce. Non, je vais acheter la Ponce, Scorpion King. Donc il me reste bah 50, plus de 50 000 à gagner, enfin 60 000, mais enfin si je fais un champ. Ouais. En vrai, à voir. Bah tu sais quoi, là je vais aller presser. Je vais presser et bah voilà, parce que je vais quand même vendre les bottes, genre je vais donner tout au cochon, tout d'un coup au cochon. Et les bottes de paille, ben, comme d'habitude, hein, ça changera pas. Une partie au mouton, une partie au cochon. Dans vidéo, ben, allez là. Oh non, j'en peux. Ah non, c'est dans ce sens. Là, il y aura des bottes de paille. Des bottes de fouine. Voilà, donc la nouvelle presse que j'ai achetée récemment. Je trouve que les bottes, elles sont moins bonnes. Elles sont moins belles. Au moins, t'as pas besoin de t'arrêter tous les 5 minutes dès que t'as une botte. Ça, c'est un avantage. Parce que là, tu continues, tu traces ta route, là, je joue plus avec ça, là. Y a plus de ligne. Non, mais non, t'as plus besoin. Tu traces ta route. Je sais pas, c'est beaucoup mieux quand même. C'est parce que dans le FS20, si je me trompe pas, il y en a qu'une aussi, mais enfin là, c'était. Voilà, c'est une qu'une, je crois. Une conne, ouais, conne, je sais pas comment on dit, conne. C'est le rouge, enfin, elle est sympa, mais la texture des bottes, elle est trop belle. Alors là, je sais pas, c'est pas très beau, bon. Ça, c'est pas très joli. La texture des bottes rondes est mieux faite. Mais bon, ah, on aura quand même pas mal de bottes, hein. Donc, du coup. Bon, je presse, hein. Je veux pas faire un accéléré, parce que voilà, c'est la première fois qu'on utilise la petite presse sympathique. Voilà, hein, pour juste changer un peu. Puis je parle aussi en même temps. Ouais, bah du coup, je pense que je vais acheter la ponce, hein. Donc du coup, je vais déchaumer tout ça après. Enfin, voilà. Dans tous les cas, je vais l'avoir. Je vais acheter ça aujourd'hui et je vais abattre mes 10 arbres. Non, c'était 10 ou 15 là. Je crois que c'était 15. Je sais plus trop. 10 ou 15? Non, bah, je crois que c'était 15, mais je suis pas sûr. Faudrait que je regarde. J'ai pas retrouvé la feuille. Avec mes notes. Voilà. Donc du coup, je vais abattre les arbres. Je dirais pas combien, mais voilà, je vais en abattre. Et du coup, bah, je vais les vendre aussi directement. Je sais pas si les armes en fait ça se vend bien, genre. Voilà.
Par contre, j'ai envie juste de savoir à combien de tonnes de blé je suis, parce que je me suis dit, ouais, 500 tonnes de blé, voilà, c'est pas beaucoup. En fait, je me suis dit, mais si, en fait. Juste après, genre, juste après de l'avoir fait, mais. Je suis un malade. Parce que, la statistique, non, statistique. Statistique, j'ai vendu. Oh la vache. Ça va être très très chaud. Ça va piquer, je te dis, ça va piquer! Allez, je pense que ça va être le seul défi que je vais pas réussir. Genre, acheter les champs, ça aussi, je vais galérer. Genre, d'abord, avant de l'acheter les champs, j'achète les tracteurs et trucs comme ça, mais. Quoique, mais je suis con, en fait. Oh non, mais je suis con! C'est les champs qu'il faut acheter d'abord, parce que plus t'as de champs, plus tu gagnes de l'argent. Ouais, je vais faire ça. Bon, voilà, j'achète la ponce et prochain épisode, je pense que je vais acheter un champ. Un autre champ. Voilà. Bah oui, plus t'as de champ, bah oui, mais je suis bête ou quoi? Plus t'as de champ, mieux c'est. Genre, bah, tu. Bon, après, tu sèmes plus, donc du coup, les off, quand je vais semer, ça va être. Oui! Voilà, surtout de la. Et donc, du coup, bah, en vrai, je pense m'acheter, genre, tout le côté des cochons. Enfin, quand tu vois le prix d'un seul champ qui coûte 450 000 euros, tu fais aïe! Voilà. Mais je pense que je vais dépenser plus d'un million, 1 million, là. Juste pour les défis de merde, là. Ah, bah, 10 heures. Enfin, 10 heures, mais il faut quand même acheter le matos qui va avec. C'est-à-dire remorque, enfin, dolly, je pense, parce que je veux pas acheter un camion juste parce que j'ai une remorque, quoi. Enfin, voilà. Attends, acheter un dolly, c'est pareil. Bah, en vrai, pourquoi Bah, un dolly, c'est pratique, quand même. Parce que tu te dis, voilà, ça coûte moins cher qu'un camion. Parce que c'est vrai qu'un camion, c'est quand même 180 000, donc tu fais aïe. Enfin, quoique, avec tout le comment je gagne de l'argent assez vite, parce que là, je suis des. Et j'ai commencé la vidéo, j'étais à 58 000, hein. Voilà, je veux pas le mentir, mais. 58 000, j'ai commencé la vidéo, je suis né avec 246 965. Ok, tout va bien. Bon, je vais bouger la rosse. Et la rosse Thelma, ça fait combien d'épisodes qu'elle est là? Je crois qu'elle est là depuis l'épisode 5, je crois. Ouais. Ah, ça sera pas tout de suite où on achètera la. Comment elle s'appelle? La Massey. Ouais, il y a Massey Ferguson. Ça, c'est pratique. Tu vois, moi, j'aime bien Massey, donc du coup. Voilà. 98. Attention, est-ce qu'elle va tomber? Oh, en 99. Oh, le seum. Oh, le seum que j'ai. Ah, ben non. J'ai de la chance. Où elle là? On va peut-être la laver parce qu'elle est un peu dégueulasse. Hein. Ah ouais, mais putain, mais. Elle est jamais là où il faut que là. Atroce. Voilà. Donc, bah maintenant, il n'y aura plus qu'à les ramasser. Et ça va pas être une partie de plaisir. En vrai, non, ça va être sympa à faire, mais bon. C'est ramasser les bottes, hein, tu vois. C'est pas non plus extraordinaire d'en ramasser. Voilà, voilà. En vrai, un tracteur, genre. En vrai, je voulais partir sur. Je sais pas si vous, ça vous va. C'est une 87. C'était 150, hein. J'hésitais entre celui-là ou celui-là, mais je pense que je vais partir sur le 23. Mais ça sera pour plus tard, parce que là, je vais acheter la ponce. La petite ponce qui fait plaisir. Comme ça, je vais faire directement les 10 armes, mais en même temps, les armes, tu vas gagner de l'argent, donc finalement. Ça s'équilibre. Ah non! Ah non, c'est vrai! Ah oui, 280 troncs. Voilà, c'était dans la vidéo multijoueur que j'avais faite avec le pilote et que le chat. Et genre, on avait vendu 10 remorques. Il y avait 10 remorques de bois où tu pouvais en mettre 28, donc du coup ça faisait 280 troncs. Et on avait gagné 227 000. Et je m'en souviendrai ça. J'ai été déçu de ce qu'on a gagné comme prix, tu vois. C'était waouh. C'est cool là, Ah oui, ça y est. Ah non, mais c'est. Je sais pas. Ça fait bizarre de prendre des carrés. Mais jusque-là, j'avais des ronds. Donc, du coup, les carrés, je te dis pas, ça fait bizarre.
Voilà, bah je pense que je vais vous laisser. Non, pas du tout. Voilà, donc je vais finir sur mon plateau, pas avec vous, mais genre en accéléré. Donc j'ai enfin fini de ramasser ces punaises de bottes. Enfin, je vous ai coupé oh, la séquence parce qu'elle était assez trop longue et du coup ça faisait une vidéo trop longue. Enfin voilà. Donc du coup, bah, je vais donner ça au bouton. Bah finalement dans cet épisode-là on va pas l'acheter, on l'achètera bah, dans l'épisode prochain. Voilà, j'ai le temps. Puis j'ai pas tellement envie de faire tout le bord attends c'est le mec oh 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 c'est déjà très 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 chiant comme ça de ramasser les bottes c'est énervant voilà. Parce que j'ai déjà parlé pendant 15 minutes et là je reparle encore. Vous allez faire, hey, il parle de trop lui. Voilà. Il y aura eu un petit off dans la vidéo, moins le début de vidéo, et là c'est vraiment. Voilà. Tout d'un coup, allez, on va aller. Ouais! Blablabla. Donc, du coup, bah là je vais finir là-dessus, et puis on s'arrêtera là. Parce que ça fera une bonne petite vidéo. Enfin, je vais pas faire plus longtemps. Alors, on est parti. Et on va donner ça aux vaches. Et je pense que. Voilà, donc le Scorpion King, ça sera pour la prochaine vidéo. Les défis ne seront toujours pas faits. Voili, voilou. Non, parce que. Voilà. Je sais pas, j'ai pas envie de faire plus longtemps. J'ai pas envie qu'elle dure une demi-heure, tu vois. Voilà. Donc du coup, simplement, on va s'arrêter là-dessus. Donc du coup, bah, ce que je vais sûrement faire avant, bah, je pense que je vais mettre ça dans le off. Genre, je vais épandre dans le off. Je vais planter des choses. Enfin voilà, j'ai tout faire. Je vais tout vous montrer en début de vidéo, comme à chaque fois, je vous montre. Ce que j'ai fait hors vidéo, enfin préparation entre guillemets, et puis et on commence la vidéo comme ça. Et ben les petits potes, ben, je pense qu'on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo bien sûr.
et à mettre un petit commentaire en dessous. Ne vous inquiétez pas, je le lirai, c'est avec plaisir que je lis vos commentaires. Aussi, vous pouvez me dire, genre, vous pouvez me donner des idées pour améliorer, des idées pour faire autre chose. Bref, on va se laisser là-dessus. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série. Moi, je vous dis, alors, c'était Benji Dussel. Ciao, les potes.